Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Commençons tout de suite avec numéro 5, quand Wankil sort des dossiers. Hey, je m'appelle Marcel, on est de la IG Jump, on va te montrer ce qu'on sait faire. Petite catégorie habituelle qui va nous permettre d'aborder les premières vidéos de Wankil. Parce que ce sont ces vidéos qui les font cringer encore aujourd'hui. Faisons donc un retour dans le passé. Avant même de commencer sur YouTube, Terracid avait publié une vidéo sur Dailymotion, soi-disant pour être certifié. Si je l'ai plus la vidéo, et heureusement. C'est sympa la vidéo que j'avais faite quand j'avais 16 ans et ça s'appelle Paye ton swag. Si, là où tu te lèves, du coup, tu prends tes chaussures, tes clopes. Ah, le tunnel de fils de pute. J'ai l'impression de l'avoir vu il y a pas si longtemps. Non, un peu. Tu sers bien tes lacets. Je me souviens, j'ai toutes les images en tête. Quand tu me l'as montré, j'étais là. Il y avait ma mère dedans. Ah oui, Jean-Edouard, oublie pas ton goûter. C'était oh la merde. Blague du goûter. Oh la vache. Ah ouais, moi quand tu me l'as montré, j'étais genre. Ouais, pas mal. Et t'as fait ça tout seul. Swag, mec. Au cas où elle existerait encore, ça s'appelle Paye ton swag. De pute pour vous, elle est introuvable. Je l'ai délète, il me semble. Bah non, c'est même sûr, je l'ai délète. De son côté, Link avait fait une vidéo sur Vimeo. Ah, j'en vois plein qui sont étonnés par ton court-métrage. Link, parle-nous un peu de ton court-métrage. Oh non, c'est bon. Il s'appelait comment déjà? Oh ta gueule. C'était un projet d'école. Et alors? Depuis quand un projet d'école c'est forcément ridicule? C'était très bien, ça s'appelait Edgar. Ils le disent dans le chat. Ça fait bien ça. Edgar est disponible sur Vimeo. Oh mais ta gueule, merde. C'est pas trop dossier, mais c'est un peu, mais c'est ça. C'est pas top quoi, tu vois, c'est pas... Oh ça va, eh. Tu sais, on a fait une vidéo de devinette. Le gravier. C'est moins bien que la vidéo de devinette. Ensuite vint la série des reporters of CSS, une petite série de petits sketchs. Oh, il était là, il était dehors. Ouais, je vais pas tirer dessus parce que je vais poser la bombe. Tu es occupé. Occupé. Allez-y, occupé. J'ai dit occupé. Trop après, marrant, hein. Vraiment, ces scripts ont été écrits par un génie, je sais pas qui c'est, mais ouais, c'est ouf. Hein. C'est vraiment très drôle. Quel plaisir. Et la blague de la bite dessinée avec des impacts de balles, il fallait vraiment la trouver. Hein. Qu'est-ce et il faut y marrante. Penser, hein. Si personne l'a jamais faite, c'est bien pour une raison. Si tu y arrives pas, tu dois faire une réplique de Reporter of CSS. Oh merde. Dépêche-toi d'y arriver. La ferme. Elle est où Trinity? Morpheus escroc, connard. Je vais leur montrer ce que je sais faire. Hey, je m'appelle Marcel, on est de la IG Jump, on va te montrer ce qu'on sait faire. Arrête de faire des références qui nous mettent tous mal à l'aise. Bah non, j'ai un pistolet. J'ai un pistolet. Je suis shérif, j'ai mon pistolet, c'est tout. Ah mais ta mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la matrice. Qu'est-ce que c'est que ça? La matrice. Moi ça me fait rire. Tu sais que t'as validé tout ça, espèce de con. Ah ouais, mais moi je te dis ça me fait rire. C'est moi le réel. C'est toi le réel, mec. C'est toi le con. Et enfin, le 23 octobre 2011, le premier épisode ever des Link et Terracid sort sur Battlefield. Et spawn. Notre spawn. Notre spawn. Notre spawn. Ah putain, ta gueule, j'en étais tain, sûr. Ah putain. Ah ta gueule. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ta mère, c'est même pas reporter of CSS, tu connais même pas sais. Tes... D'après un rapport balistique. Ta mère, ta gueule. Je connais ta ferme. Tes répliques par cœur. J'avais 13 ans là, laisse-moi tranquille. T'avais 13 ans. Ah et tout, que Naru il ne nie. Oh putain, j'avais oublié. On avait fait quoi nous? On avait fait un truc sur Battlefield Oui, on va en parler, c'est bon ouais. Zen, I take a bullet in the knee. J'ai jamais dit que j'étais drôle. J'ai pas dit ça. Et si vous vous sentez vieux, ça tombe bien, avec la catégorie suivante. Numéro 4, quand Wankil sont vieux. Je ne connais pas, tiens. Oh, c'est vieux, 92. C'est né en même temps que nous. Attention, dans cette catégorie, on va pas parler de quand Wankil imite des vieux, même si on pourrait. Comment tu as la vue des... J'arriverai à parler un autre jour. Attends, comment tu dis, là, t'es... Mais comment tu décris, Et donc là, j'appuie sur Reset. Non, on va traiter du fait que notre duo favori a atteint le vénérable âge de 30 ans et que parfois ça se voit dans les vidéos. La dernière fois, quand il y a des gens qui me disaient qu'ils connaissaient pas Question pour un champion, tu peux te poser des questions. C'est comme les gens qui me disent qu'ils connaissaient pas le Big Deal, tu vois, je suis là en mode, what? Les gens qui vont pas connaître Patoche, en vrai, je sais pas ce qu'ils vont devenir. Bah, le problème c'est qu'ils pourront pas faire la fête. Tout est prévu. Et par Sil? Et par Sil? La fosse tranquille. Et par Sil, la fosse tranquille. Ah non, les jeunes n'ont pas la référence. De quand, par Sil, la fosse tranquille, c'est encore la téloche, ça. Mais quoi l'autre mode qu'il fallait tester là? Un truc genre Dieu du stade, mais ça doit pas ça. Star du stade. Dieu du stade, c'est le calendrier cochon. Le calendrier cochon. Y'a que les femmes âgées qui disent cochon. J'ai fait une vieille dame. Oh, c'est déjà chiant. Oh non, c'est fin ça. Ouais. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Allez hop, une réplique du Père Noël est une ordure parce que j'ai 90 ans. N'oublie pas de le regarder à Noël.
C'est important. Et bizarrement, même s'ils sont nés la même année, Link et Terra n'ont pas l'air d'avoir le même âge. J'avais supprimé la musique, normalement il y a de la musique sur le jeu, mais je l'avais enlevé. Comme ça sur les vidéos, oui. On pouvait mettre du Benny Hill et des trucs comme ça. Le gars qui est super ringard. Comme ça on peut mettre Darude sans Storm ou quoi. Elle était très drôle la vidéo d'aujourd'hui sur Wonkill, j'espère que vous l'avez vue. Eh bien moi je l'ai vue et je l'ai trouvée rigolote moi-même, alors imaginez. Le mec il a 50 ans. Eh bien je l'ai trouvée moi-même très rigolote cette petite vidéo. Elle était cocasse cette petite vidéo là. Oh non, j'ai un problème sur aussi, je suis peut-être bourré hein. Je tape comme une chif molle. Ça se dit encore chif molle? C'est pour être totalement safe, pour pas dire pédale, fille. truc comme ça, tu vois, j'ai dit chiffre molle du coup. Notre beau royaume de France, le plus beau pays du monde. On est en 1349, donc 5 ans avant ta naissance. J'ai 30 ans, mais quand même. Mais bon, malheureusement, personne n'est à l'abri des ravages du temps. Pour l'instant, ce n'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Du attends, tout c'est pas que... sûr du tout. Ouais, c'est vrai, j'ai parlé un peu comme ça. Ouais, qu'est-ce qui arrive avec ma voix là? Qu'est-ce que c'est? Allô. Tu tousses comme un vieux de 75 ans. Ça c'est la clope ça. Le bête qui m'avait volé ma beauté. C'est ce qui m'a volé ma beauté à moi. Le temps. Maintenant quand je fais des stories ou quoi, il y a toujours des gens qui disent oh t'as des rides. Franchement putain, je l'ai aussi moi. J'ai des rides et des cernes. J'ai envie de dormir hein, ouais. Dans la vraie vie. Ouais dans la vraie vie là. Moi j'ai fait une sieste avant de faire le live parce que je suis quand même responsable et de vieux. T'as atteint l'âge où streamer jusqu'à minuit ça devient super dur. En tout cas ça nous rajeunit pas, espérant que Wonkill ne prenne pas bientôt sa retraite. Et passons à la suite. Numéro 3, quand Wonkill sont synchro. Au pire, tu peux conduire ma bagnole, hein. Tu veux ? Cette catégorie montre à quel point parfois Wonkill partage un seul même cerveau. Ce sont tout simplement les moments où ils disent ou font les mêmes choses en même temps. Au début, on se dit, ouais, c'est normal, c'est un duo et ils ont joué ensemble des milliers d'heures. Qu'est-ce que... Mais il est en train de manger, ce con ! S'il mange mon truc, je fais comment ? Oh non. Non ! Non ! Non ! Non ! Ok, en fait, il y avait du stuff. Ah, le bâtard ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! C'est bien. Prends la voie de chemin de fer, tiens, on va la suivre. Mais c'est interdit. C'est interdit, mais il n'y a personne ici. J'espère surtout qu'il n'y a pas un train. Bon bah je vais prendre l'Atlanta et d'être classe 7. L'Atlanta. Oh mais non Oh c'est pas grave. La voiture là. Ah ouais c'est vrai. Ah toi aussi t'as pris un look un peu genre 50 ans célibataire. Ah t'as pris les mêmes lunettes. Putain les lunettes de grosse victime. On a les mêmes coups de merde. Et plus ça va, plus on se dit ah quand même, ils sont forts des fois. Oh. Bah alors. Il a glissé. Ah toi aussi t'as tué les mecs qui étaient là. Ouais, t'as vu le mec qui est tombé. Il y en avait deux, j'ai fait le mec à gauche et toi t'as tué le mec. Ah c'est beau. Champion. Oh la nuit du monde. J'ai rointé la gueule. Là que ce soit la grosse bite comme ça. Oh là. On a le même cerveau. Le même cerveau. Le même cerveau. Et puis à la fin on se dit non, c'est pas possible, il y a un truc, c'était calculé. Ouah, oh putain, ils sont déjà là en fait. Attends. Ah, on a dit la même chose et on s'est fait tuer par le même mec au même moment. C'est un petit chapeau, tu peux l'enlever. Elle se dévisse et dedans il y a du fer encore. C'est bien ce que je pensais, t'es en train de jouer en même temps que moi. Ah, tu joues? Mais mec, on a fait exactement les mêmes gestes. Ah, on est en train de faire la même chose là. Depuis tout à l'heure, je joue et y'a absolument aucune différence avec ce que je fais. Ah, c'est insane. Depuis quand? Depuis le début, depuis que j'ai démarré. Ok, à 3, tu vas appuyer à droite et moi à gauche, ok? Ouais. 2, 3. Wow. Ok, donc si vraiment on fait pas le même chose en même temps, en fait, la voiture perd le contrôle, donc on a vraiment contrôlé à deux. Vas-y, on est pareil, on a le même, on a tout pareil. Mais c'est pourquoi... Prêt. T'as customisé toi aussi ton truc comme moi. On a pris le même truc, vraiment. Qu'au poil de cul près, on a pris les mêmes trucs alors que c'est au détail, quoi. Allez tout le monde, répétons ensemble, Wonkill est le meilleur duo de YouTube. Passons maintenant à la suite. Numéro 2, quand Wonkill et le chat se battent. Parle mieux, toi parle mieux. S'il y en a parmi vous qui regardent les lives, vous devez probablement vous frotter les mains en ce moment. Parce que j'ai trouvé tellement de moments où ça s'insulte entre le duo et les Wonkulés que j'ai l'impression que c'est complètement normal. Comme un duo toxique. Du coup, si vous voulez commencer un débat avec Link et Terra, il y a plusieurs manières. La première, c'est de se plaindre du jeu auquel ils jouent. On veut du Golf Hit. Ah bah c'est marrant. Attendez, je vérifie si je veux du Golf Hit. Attendez, je regarde. Attendez, on dirait qu'il a des dossiers. Attendez, je vérifie. Ah, la tuile, le chat. Ah merde, je veux pas de Golf Hit. Je crois que j'en veux pas. Bon, tous ceux qui disent c'est de la merde, alors 1, fermez vos gueules et vous vous pesez dans votre siège. C'est pas parce qu'il y a 3 connards qui disent que c'est à chier qu'ils vont avoir leur Minecraft habituel. Donc vous faites pas chier, vous vous détendez comme tout le monde. Un changement de jeu ne serait pas de refus, c'est répétitif. Alors là, qu'on veut. Toi et les 100 personnes qui l'ont dit, on fait ce qu'on veut. Au lieu de vous amuser, vous voulez pas changer de jeu?
Une autre manière, c'est de les prendre de haut concernant un sujet que vous connaissez bien. Oh, c'est bon. Le suspense est... Wouah! Tu l'as eu? Une truite arc-en-ciel! Dans la réalité, ça se remonte en 2 secondes, emoji qui pleure de rire. Ta gueule, connard! Ah, le bâtard! Ah, le bâtard, il a chié sur ta découverte, quoi! Vous allez mourir en 2 secondes. Super, super communauté. Merci beaucoup, les gars. On vient de se sentir soutenus. Vous êtes des merdes, vous savez ça? Ah bah ça! Ah bah s'ils le savaient pas, maintenant ils le savent! Non! Frappez-le, mais quoi, bande de cons! Putain, vous croyez que c'est simple? Une lance. Mais je... Putain, mais j'ai 1000 trucs à faire, mon abruti! Et vous pouvez aussi simplement critiquer ce qu'ils font. Terminado. Oli. De genre que vous jouez et vous êtes toujours à ce niveau, t'étais bien en émoto de lit, toi. Toi, t'es une merde. Marvin, debout. On fiche le allez. C'est moche, mais niquez vos mères, on veut juste faire une cabane. Vous êtes trop loin de tout ça, vous avez perdu votre âme d'enfant. De pucelle. Vous avez perdu votre âme de pucelle. Pour moi, dans ce chat, il y en a qui ont pas perdu leur âme de pucelle. Vous étonnez pas de passer pour des connards, c'est pourquoi vous nous parlez. C'est juste ce que vous avez dit là. Oh, parce que t'en as plus rien à foutre, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi il n'anime pas le live? T'as un problème, toi? L'embrouille à voix basse. Bah vas-y, viens. Ferme le tour en face, on va voir qui après. Faut cuire plus. En vrai, c'est très bien cette assiette. On a fait tout ce qu'il fallait. C'est pas cuit. Mais comment ça, c'est pas cuit? Alors, les connards. C'est qui les cuisiniers ici? Température? C'est pas cuit. Maintenant que je vous ai dit comment les trigger, je dois vous prévenir, faites attention au retour du bâton. Il est trop con, espèce de Jean-Kevin de merde, fils de pute. C'est pas parce que t'as passé les 6 dernières années de ta vie sur Minecraft à l'âge de 15 ans que tout le monde est obligé de savoir qu'il faut, utiliser l'étiquette dans l'enclume pour voir la mettre vierge. Sale chien de ta mère, va. Putain, tes parents aussi sont divorcés. Ta mère a couché avec le facteur, sale fils de chien, va. Alors. J'ai pas eu le temps. Mais depuis tout à l'heure, je demande comment on hypothèque. Ils ont fait un clip avec marqué la preuve, Terra, regarde, tu as fait faillite, c'est toi. Sur votre putain d'écran, le HUD de l'un qui l'a marqué que j'avais appuyé sur faillite. C'est un système automatique qui a fait la faillite, c'est un système automatique. J'ai un message en haut énorme, j'appuie sur rien, ça a marqué. En gros, sur mon putain d'écran. Arrêtez d'être des putains de débiles mentaux. T'as fait faillite, c'est marqué, regarde le clip, j'adore le clip. Oh, les petits fils de pute, je suis sûr, j'ai envie de les prendre, prendre leur tête et les écraser contre le bureau très rapidement là. Et si jamais vous vous faites avoir, je compte sur vous pour pas me mentionner, hein, que je me fasse pas allumer pour vos bêtises. Allez, passons à la suite. Numéro 1, quand Wankils sont des youtubeurs. À partir de combien d'abonnés on a le droit de dire qu'on est une star? 100 000 apparemment. Oh la vache! Alors dans cette catégorie, on va tout simplement voir comment devenir youtubeur avec l'inquiétéracine. Tout d'abord, il faut trouver un concept à sa chaîne YouTube. Trouver un moyen de rentrer dans l'aéroport avec ta voiture. Les tips et astuces, la nouvelle chaîne de Terracide. Abonnez-vous à la chaîne de Minecraft Gaming. Maintenant sur Wankix, c'est Only Minecraft. Préparez-vous à du jeu en folie. Ensuite, il faut publier de bonnes vidéos. Et là, il y a plusieurs moyens. Ah, il lui rentre dans la kikine. Ah ouais, complètement. Ah, il lui met cher. Ah, c'est dégoûtant. Mais ça fera une très bonne miniature. Hardcore sex. Dead people have sex. Amateur. Merci Charlotte qui a donné 3€. Merci ça. De la part de Victor Gamer. Si je m'appelais Victor Gamer, je ferais une intro comme ça. Ou alors je ferais une intro du genre Yo tout le monde, c'est Victor. Tu vois le même skin que moi là ou pas? Ça c'est drôle, ça Terra, ça amène dans une compile, non? Une compile fun. Délire ragdoll. Après, autour des vidéos, il faut faire plaisir à l'algorithme YouTube. Pas genre je t'ai niqué, ouais. Dites-nous dans les commentaires si vous kiffez un peu ce gameplay là. Moi je trouve que... Ah le youtubeur de merde. Moi, je trouve... En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce gameplay qui vous est proposé. Moi voilà. Ça m'intéresse. Peut-être qu'on en fera d'autres du coup à la sortie. Attention tout le monde, restez, à la fin de stream on ouvrira des packs. fin du live, petite surprise. What the fuck, 4 objets légendaires en 2 caisses. Ouais ouais, faut rester. Bon, là genre celui-là je pourrais lui tirer dessus. Tire mec, mais c'est une putain d'expérience sociale à faire. Vous voulez que je tire dans le mur? Ouais. Et alors vous mettrez des pouces bleus hein. Je vais pas le faire pour rien. Plus tard, lorsqu'une communauté s'est créée autour de vous, il faut penser à faire des partenariats. Tiens, aide à la destruction. Aide à la destruction juste. Le lien dans la description. Aide. Aide à la description. Mec, il est trop youtubeur. Lien dans la description. Quoi? Tu veux dire qu'il y a un lien dans la description? J'ai payé 1300 balles. Qu'on sent les partenariats quoi. Tous les tweets que je faisais quand je faisais ma config, je faisais genre ouais, vous pourriez m'aider et tout. J'ai l'impression que cette pièce là, elle est pas mal. Et après je disais ouais, franchement, elle est bien, vous me l'avez confirmé, je la prends. Vous êtes naïf, tout était sponso, toutes les pièces. Le truc idéal, de ouf, serait que vous disiez à vos abonnés, gentil de venir jouer avec vous sur l'open beta. Hey, les abonnés! Ah bah non, ça doit rejoindre notre groupe, ah bah non les gars, cassez-vous de notre groupe, MDR. Eh, cassez-vous, ouais. Et avec un peu de chance et de succès, l'argent viendra tout seul. Peut-être.
4000, ça doit donner des beaux bonus. La dernière volonté. Je veux un Maxi Big Mac pour mettre comme dernière volonté. Le Mega Mac. Mais, prends-le, hein, si t'hésitais, fais confiance à Bibi. J'ai pas assez d'argent. Quoi? Ah, le Mega Mac. Ah, je sais pas si tu parlais de dernière volonté ou du Mega Mac. Non, ok, non, je te parlais du Mega Mac, je me suis dit. Comment ça, il a pas assez d'argent, il se fout de la gueule de qui? J'ai il pas va pas faire une superviseureux là. Les dons vont à nous. À une association caritative qui lutte pour penser pour les enfants malades. Et contre la pauvreté chez les streamers. Et enfin, vivre de sa passion c'est bien, mais être connu et populaire c'est mieux. Tu tombes pas des fois sur des gens où tu sais qu'ils t'ont reconnu mais viennent pas te voir? Avec une fixe de pute de bière. Il a une érection. T'sais, si on était des youtubeurs à succès, il y aurait déjà beaucoup beaucoup de monde dans cette salle. Si j'étais Squeezie, le serveur aurait saturé. Mais nous ne sommes que nous. J'étais du coup au rayon des sauces. Je lève le couvercle. Là, quelqu'un voulait le faire en même temps que moi, tu sais. Du coup, je regarde cette personne et qui c'était? Un homme, pas moche. Hein. Après, on s'est enculé dans la remise. Non, mais non, du coup, non, après, je m'en vais et il revient me voir un peu plus loin. Il fait vous êtes Link de Wonky Studio. Et puis voilà, il m'a dit bah, bonne soirée. Moi, il y a un SDF qui m'a roté dessus. Chacun ses rencontres. Vous êtes terrassés. Merci à Wonky pour ce tuto. De mon côté, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à la prochaine.